Merci d'être là. On va présenter aujourd'hui, enfin cet après-midi, on a 15 minutes, enfin 30 minutes en tout, l'intelligence artificielle. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la radiologie, notamment dans la radiologie de la femme surtout, et surtout des seins, ce qui m'intéresse le plus. Par contre, d'abord on doit comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle. Et là, j'ai Madame Nouheila Idrissi, qui est en train de préparer son doctorat, enfin sa thèse sur l'intelligence artificielle et aussi l'Internet of Things, hein, la fait IoT. Et puis, elle est passionnée par l'intelligence artificielle. Elle va nous expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Il y a aussi l'intelligence naturelle, qui est la meilleure. Par contre, il y a l'intelligence artificielle qu'on doit connaître, nous, en tant que radiologues. Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire? Elle va nous expliquer. Tout d'abord, et puis après il y aura Madame Madiha Boufoun, qui est l'une des qui a participé à la création de cette start-up qui est Erami, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle en scénologie. Et puis elle va nous présenter quel est l'apport d'Erami dans l'intelligence artificielle, surtout en scénologie. Comment eux, leur logiciel fonctionne, et quel est l'avenir de ce logiciel qui est utilisé chez nous en Suisse. Voilà, je laisse Nouheila Idrissi. Nouheila, je te laisse la parole. Bonjour, je me présente, Nouheila Idrissi, doctorante en informatique. Je fais partie du laboratoire MASI de l'école Mohammedia d'ingénieurs de l'université Mohammed V de Rabat. Je travaille sur l'application de l'intelligence artificielle sur dans les systèmes d'information et plus précisément dans les systèmes de recommandation. Donc, on commence par... On commence par une petite définition. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, on peut la définir comme la capacité des machines à imiter le comportement humain naturel. Mais cette définition, elle englobe plusieurs aspects informatiques. Pour la médecine, on peut se concentrer sur les termes suivants. L'intelligence artificielle est un domaine d'étude où nous voulons que les machines fassent les mêmes choses que les êtres humains. Bien évidemment, les machines sont plus capables en termes d'analyse et de capacité de calcul, mais les machines ou les ordinateurs ne peuvent pas prendre une décision. Alors, permettre aux ordinateurs de prendre une décision avec leur propre intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Elle est désormais partie de notre quotidien. Les assistants personnels, par exemple Siri, Alexa, Google Assistant, ils sont presque précis. On trouve aussi, lors d'une recherche dans un moteur de recherche, qui permet de personnaliser les résultats. Elle permet elle influence largement la manière dont les informations sont présentées, notamment sur les réseaux sociaux. Facebook, le site, utilise une solution d'intelligence artificielle nommée DeepText qui permet d'analyser le contenu textuel d'une publication, non pas juste pour organiser le filtre d'actualité, mais aussi qui permet d'intervenir un employé humain s'il détecte des signes suicidaires, par exemple. C'est aussi le cas lorsque vous êtes sur Amazon ou bien Netflix, on vous recommande le prochain livre à acheter ou bien la prochaine série à voir. Donc, on vous recommande des projets ou bien des produits qui sont convenables et adaptables à vos besoins personnels. Et comme ça, votre satisfaction augmente au fil d'utilisation. Alors, considéré comme l'un des fondateurs de l'informatique moderne, Alan Turing, mathématicien et cryptologue britannique, introduit après la Seconde Guerre mondiale un concept visant à définir qu'est-ce qu'une intelligence artificielle ou bien qu'est-ce qu'une machine intelligente. En 1950, il publie dans la revue Mind un article « L'ordinateur et l'intelligence » visant où il explore le problème de définir si une machine est consciente ou non. Alors, de cet article découlera ce qu'on appelle aujourd'hui le test de Turing, qui permet de mesurer la capacité d'une machine à mener une conversation. L'idée de départ était de savoir si les machines peuvent ou pourront un jour penser et comment les déterminer.
Turing croyait, pour que nous répondions à cette question sans ambiguïté, on doit d'abord reformuler la question, bien évidemment en remplaçant les termes machine et think. Donc on remplace les termes machine et pensée. Donc autrement dit, une machine peut-elle imiter une personne? La réponse à cette question se trouve dans The Imitation Game. L'idée du jeu est simple. Nous avons un interrogateur. Il interagit avec une entité. Il interagit avec elle à travers un clavier et un écran. Et l'entité peut être soit une machine ou un être humain. Si à la fin de la conversation, l'interrogateur n'est pas en mesure de dire si l'entité avec laquelle il interagissait est une machine ou un être humain, ou mieux encore, s'il croyait que l'entité avec laquelle il interagissait est un être humain, et il s'avère que c'était une machine, là, on dit que la machine a réussi le imitation game ou bien le test de Turing. Là, quelle est la différence entre l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, le data science? On peut considérer l'intelligence artificielle comme une discipline de l'informatique. Le machine learning ou bien l'apprentissage automatique, il est considéré comme un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Là, ces catégories ne sont pas définies d'une manière précise. On peut trouver un modèle qui peut appartenir à la machine learning, mais qu'il appartient aussi au data science ou bien à la statistique. Et d'autre part, le deep learning ou bien l'apprentissage profond, il appartient à la machine learning. Pour faire une précision, on doit apprendre. Donc, d'où les termes learning, donc deep learning et machine learning. Donc, deep learning est un apprentissage en profondeur. Il va chercher à comprendre des caractéristiques ou bien des complexes avec davantage de précision en analysant les données à haut niveau d'abstraction. Là, ces deux images-là présentent l'évolution de publications scientifiques qui ont traité l'intelligence artificielle entre les années 2000 et 2022. Donc, on constate une évolution. Bien évidemment, donc, un nombre important de publications en 2021. Donc, la première image à droite, donc c'est les publications dans la base indexée Scopus. Donc, on trouve plus de 376 000 publications, tandis que la deuxième, c'est une image de la base indexée Web of Science. Donc, l'intelligence artificielle, elle intervient dans plusieurs domaines. Donc, parmi les domaines d'utilisation, donc c'est les domaines de spécialité. Donc, le premier, c'est le computer science, c'est l'informatique. Puis on trouve les mathématiques, et puis on trouve l'ingénierie. Mais vous pouvez remarquer que la médecine se classe quatrième avec un pourcentage de 4,5%. Là, c'est l'évolution des publications qui ont traité ou bien qui ont appliqué l'intelligence artificielle en radiologie. La première image montre ces différentes publications dans différentes revues. Donc, on trouve plus de 1500. Et la deuxième, c'est on trouve un résultat similaire dans la base de données indexée Web Science, donc presque 1786. Donc l'avion a aspiré, les vols sont aspirés des oiseaux. Les chevaux ont aspiré les locomotives et les voitures. Mais les réseaux de neurones artificiels sont aspirés des réseaux de neurones biologiques pour traiter l'information. Alors, dans un réseau de neurones biologique, nous avons des dendrites qui reçoivent l'impulsion. Et l'impulsion, ensuite, le neurone transmet cette impulsion à travers l'axone, et puis ça va passer par des synapses, et l'impulsion ira jusqu'à un autre neurone. Donc, les réseaux de neurones artificiels, ils sont une abstraction de ce fonctionnement en utilisant des fonctions mathématiques. Donc, un réseau de neurones, et le but d'un réseau de neurones, c'est de mimer ce comportement de réseau de neurones biologique. On utilise une fonction d'activation. C'est quoi une fonction d'activation? Une fonction d'activation, elle est ajoutée au réseau de neurones artificiel afin d'aider le réseau de neurones à apprendre des modèles complexes dans les données. Lorsque l'on compare avec les réseaux de neurones biologiques,
la fonction d'activation décide à la fin ce qui doit être envoyé au prochain neurone. Donc ici, par exemple, nous avons un réseau de neurones avec trois entrées, X0, X1 et X2. Donc, on fait la somme des entrées en affectant un coefficient qu'on appelle un poids, c'est le W. Et à la fin, si la somme obtenue est supérieure à un seuil donné, la neurone va transmettre 1, sinon, elle va transmettre 0 en sortie. De nombreuses fonctions d'activation ont été proposées, mais la fonction sigmoïde, c'est la fonction la plus utilisée et la plus ancienne. Mais à cause des sur son intervalle déjà de définition, on se rend compte que les résultats de sortie de cette fonction, ils sont classés dans un intervalle entre 0 et 1. Mais à cause de ces extrémités plates, on peut se trouver coincé dans les extrémités avec des neurones qui ne peuvent pas apprendre de façon efficace. Et déjà, ces neurones, ils sont les plus importants, surtout les neurones de la première couche d'un réseau de neurones, parce qu'ils apprennent les caractéristiques les plus importantes des réseaux des données. Là, on va parler du réseau de neurones artificiel. Donc, pour faire des fonctions mathématiques compliquées, on associe plein de réseaux de neurones ensemble et on crée ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiel. Les réseaux de neurones les plus simples ne présentent que deux couches. Ici, par exemple, sur l'image à droite, on peut trouver un réseau de neurones avec une couche d'entrée, une couche cachée et une couche sortie. Là, on parle du machine learning, on parle d'apprentissage automatique. Mais par contre, sur la figure en bas, on trouve un réseau de neurones avec une couche d'entrée, une couche cachée, une couche sortie, mais trois couches cachées. Là, on parle d'un réseau de neurones du deep learning, d'apprentissage profond. Du coup, le terme deep dans le deep learning, il fait référence à la profondeur du réseau de neurones en termes de couches cachées. Un réseau de neurones est caractérisé par trois composants. Donc, on trouve une architecture. C'est quoi? C'est la typologie de connexion, c'est un ensemble de neurones. On trouve la procédure d'apprentissage, c'est la phase d'entraînement. On parle d'un apprentissage supervisé si à la fin du réseau de neurones, on compare les résultats réels avec les résultats sortis du neurone. Et on parle d'un apprentissage non supervisé si on ajuste des poids ou bien des coefficients du réseau de neurones en fonction des caractéristiques de corrélation, de catégories apprises par le réseau de neurones. Et bien sûr, nous avons des fonctions d'activation. Donc, à la fin, nous avons un réseau de neurones qui est bien entraîné et il est capable de prédire la sortie de n'importe quelle entrée. Donc, on appelle ça une phase de prédiction. Pour le traitement de l'image, une architecture d'apprentissage en profondeur est devenue, elle domine. C'est on appelle des réseaux de neurones convolutifs, ou bien les CNN. Ils ont attiré l'attention depuis 2012, plus précisément lorsque l'équipe gagnante dans un concours d'imagerie internationale annuel de classification d'imagerie, elle a pris la première place dans une tâche de computer vision, ou bien la vision par ordinateur, en utilisant ce type de réseau de neurones. Donc, dès 2012, toutes les équipes gagnantes dans ce challenge-là ont utilisé les réseaux de neurones convolutifs. Donc, ils sont les plus adaptables et les plus applicables à la radiologie. Ils travaillent sur des données qui ont une forme de grille, telle qu'une image, par exemple. Et ils s'inspirent de l'organisation du cortex visuel animal. Alors, l'ordinateur, comment il voit l'image? Il voit l'image comme une matrice de nombres comprise entre 0 et 255. Là, à droite, par exemple, nous avons une image de la vision de l'ordinateur. Donc, nous avons des nombres comprises entre 0 et 255. Chaque nombre, il représente la luminosité des pixels de la première image. Et ces deux images sont superposées au milieu. Alors, sur l'image A, on trouve les composantes d'un réseau de neurones biologiques. Mais sur la deuxième, on trouve les composantes du réseau de neurones convolutif. Donc, c'est une construction mathématique en trois couches. La première couche, on l'appelle la couche de convolution.
Elle permet quoi? Elle permet d'extraire les caractéristiques importantes dans une image. Donc l'image en entrée ici, il passe par une succession de filtres qu'on appelle des couches de convolution ou bien des cartes de convolution. On trouve aussi des couches de pooling. Ils permettent de réduire la taille de l'image tout en garantissant ou bien en préservant les caractéristiques les plus importantes de l'image. Donc, à la fin de la couche convolutive, on se trouve avec un code CNN qui va être branché en entité connectée, en un réseau de neurones entièrement connecté, qui s'appelle un réseau de neurones artificiel. Donc, il va l'utiliser pour faire. Il va comparer les caractéristiques apprises par le réseau de neurones, et il va classer cette image dans une classe. Alors là, si on demande à un expert de quoi s'agit-il sur l'image première, donc il va dire l'image à droite, il va la classer facilement comme une image du rein droit. Par contre, cette tâche, elle est difficile pour l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas de nuances de gris, mais il voit des nombres, une matrice de nombres comprises entre 0 et 255. Donc récemment, ces réseaux de neurones sont appliqués dans les tâches de computer vision, et sont appliqués dans l'imagerie médicale. Comme exemple d'utilisation, on trouve la classification présentée sur sur l'image A. Donc on trouve une classification des sous-groupes génomiques de gliome, de vagrate en IRM. Un exemple aussi, c'est la segmentation automatique des tumeurs gliales de vagrate en IRM sur l'image B. Par contre, sur l'image C, on trouve une détection des nodules thyroïdiens en échographie. Donc, on peut caractériser ou bien distinguer 4 tâches clés de vision par ordinateur pour lesquelles les modèles d'apprentissage sont appliqués. Donc, on peut distinguer la classification, la détection d'objets, la segmentation sémantique et la segmentation d'instances. Pour la classification, elle vise à attribuer une étiquette d'une liste à une image de données, par exemple les métastases hépatiques. Un exemple de détection d'objets, déjà qu'est-ce qu'il fait? Il fait référence à l'identification et la localisation d'exemples individuels d'une entité ou un volume. Donc, comme la détection et la localisation de métastases hépatiques, la localisation de lésions et des structures ou des organes. Ici, par exemple, les métastases hépatiques sont dans les carrés rouges, l'estomac dans un carré bleu et la rate dans un carré jaune. Un exemple de segmentation sémantique, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Elle attribue une étiquette de catégorie d'objets à chaque pixel de l'image. Par exemple, ici, toutes les métastases hépatiques sont en jaune. Et la segmentation d'instances attribue des étiquettes individuelles à chaque pixel de l'image. Par exemple, les métastases hépatiques individuelles sont segmentées en rouge, bleu, violet et rouge. Alors, contrairement à la segmentation sémantique, cette segmentation nécessite une instance ou bien une partie de détection d'objets pour séparer les différentes classes, les différentes instances de la même classe. Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les radiologues? Fin 2016, le professeur Jeffrey Hinton, le parrain de réseau de neurones, a déclaré: « We should stop training radiologists now. It's just completely obvious within 5 years, deep learning is going to do better than radiologists. » Donc, nous devions cesser de former des radiologues maintenant. Il est tout à fait évident que d'ici 5 ans, l'apprentissage en profondeur fera mieux que les radiologues. Là, c'était en 2016. Donc, en fait, il est tout à fait évident que cela ne s'est pas produit. Donc, l'argument des optimistes de l'intelligence artificielle est que l'intelligence artificielle fera beaucoup de travail des radiologues en moins aussi bien que les humains. Elle le fera beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Mais on peut considérer une interprétation modérée, par exemple, et je suppose la plus courante. Il n'existe pas encore de robots autonomes hautement sophistiqués pour effectuer une chirurgie guidée à partir d'une image, ou bien il n'existe pas encore des algorithmes qui peuvent
dialoguer avec les êtres humains, expliquer les résultats d'une manière détaillée ou bien répondre à des questions supplémentaires. Donc le robot intelligent n'est pas encore qu'un fantasme, donc le rôle du médecin reste central et la décision finale lui appartient. L'application fiable de l'intelligence artificielle dans la radiologie nécessite encore la gestion de plusieurs défis. Donc le premier d'eux, on peut parler de surajustement ou bien l'overfitting, qui convient lorsque l'algorithme surapprend ou bien overfit, autrement dit, lorsqu'il apprend à partir des données, mais aussi il apprend à partir des patterns, des structures, des schémas qui n'ont pas vraiment une relation avec le problème. Donc l'algorithme risque de ne pas bien fonctionner sur des images similaires qui acquises dans certains dans centres différents, bien sûr différents scanners ou avec différentes données démographiques des patients. D'autres défis, donc il faut aussi aborder la complexité des données, l'accès aux données et une variété de scénarios, tout en garantissant la confidentialité des patients. Comme future direction, on peut imaginer que les progrès du traitement automatique, ou bien le natural language processing, il pourrait bientôt signifier qu'un rapport pourra être rempli d'une façon automatique avec les résultats d'imagerie que la machine voit, réduisant ainsi le temps que le radiologue passe à générer un rapport. Les systèmes d'intelligence artificielle du futur, ils vont être moins dépendants d'un grand nombre d'ensembles d'entraînement, être plus facilement compréhensibles. Donc on parle d'une intelligence artificielle explicable au lieu d'une boîte noire caractérisée par la non-généralisation et la gestion des erreurs. Ils vont être aussi plus faciles et plus efficaces dans les transferts de données acquises. Donc, en perspective aussi, on peut proposer des modèles qui peuvent présenter les données comme probabilité au lieu des classes binaires simples de vrai ou faux. L'intelligence artificielle peut être utilisée aussi lors de la reconstruction d'une image afin de réduire le maximum le bruit qui peut parasiter un signal. Et finalement, une bonne performance du modèle d'intelligence artificielle ne garantit pas vraiment de bons résultats pour les patients. La valeur du modèle dépend plus précisément de son impact sur les décisions cliniques et bien sûr aussi de la nature du problème. D'où la nécessité d'une collaboration entre les informaticiens et les radiologues afin de réduire les études contrôlées pour comprendre la valeur clinique de l'intelligence artificielle et plus précisément l'apprentissage en profondeur. Et merci pour votre attention. Voilà, merci Noëlla pour la présentation. Voilà, si l'intelligence artificielle remplace les radiologues, elle peut remplacer les banquiers, les assureurs, elle peut remplacer tout alors, dans ce cas-là. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Donc, je laisse. Après, il y aura, je pense qu'il y aura des questions après. On va laisser. Nadiha va présenter l'apport de l'intelligence artificielle en scénologie. Et puis. Juste pour, avant qu'elle branche, nous, en tant qu'Institut de radiologie en Suisse, nous avons collaboré avec ERAMI dans ce logiciel d'intelligence artificielle pour la mammographie et pour la tomosynthèse. Voilà. Nadiha, le micro. Chaque radiologue regarde coup à coup. Dû à cette augmentation d'images, on a mis en place en fait un logiciel qui se nomme RaceInView.
Ce logiciel est breveté, c'est un logiciel d'aide à la décision en mammographie et tomosynthèse. Il est actuellement aussi en cours de certification LDI. Vous avez ici un exemple, donc la négativation, le principe de négativation qui a été breveté par l'entreprise qui se nomme Erami, c'est une entreprise française qui est basée à Nantes. Donc le principe est de remplacer par de la graisse artificielle tout ce qui est potentiellement, qui est physiologiquement normal, et laisser en exergue tout ce qui est potentiellement suspect. Vous avez ici un exemple, donc on a une mammographie de face. Et une oblique. Nous travaillons sur toutes les incidences, que ce soit face, oblique, profil. Nous ne faisons pas les agrandis puisque l'image ne le permet pas. Et nous travaillons également sur la tomosynthèse. Avec la tomosynthèse, l'approche est différente. Dans un premier temps, on va proposer un résumé de la tomosynthèse, puis passer à la négativation, c'est-à-dire ce principe de remplacer par de la graisse artificielle les images de tomosynthèse. Donc nous avons ici un exemple. Nous avons également travaillé sur les nuances de gris. Nous avons une demande de la part de radiologues disant que c'est essentiel d'orienter le logiciel vers des zones à fort risque de malignité, mais ils ont également besoin de visualiser des zones qui sont bénignes, mais qui peuvent évoluer en malignité. Le logiciel apporte également un avantage sur les cas bénins. Aujourd'hui, nous avons des radiologues qui utilisent beaucoup notre logiciel sur les cas bénins. Pourquoi les cas bénins? Parce qu'aujourd'hui, les cas bénins, le logiciel va fournir en fait des images additionnelles. Ces images sont au format DICOM, donc elles peuvent être archivées sur le PACS. Et elles permettent en fait de conforter en fait l'interprétation du radiologue. Aujourd'hui, les images créées par PrecisionView arrivent en temps réel, donc elles arrivent avant l'échographie, ce qui permet d'orienter l'échographie, et elle permet également pour les cas bénins de conforter l'interprétation du radiologue. Donc le radiologue va regarder dans un premier temps les images natives, et on vient incorporer nos images à la fin de votre protocole. Alors, pour l'intégration joue un rôle en fait primordial. Aujourd'hui, donc le logiciel est installé au niveau de la console d'interprétation du radiologue. Aujourd'hui, les images sont envoyées au mammographe, sont envoyées à la console d'interprétation, mais également à notre logiciel. Puis notre logiciel renvoie les images à la console d'interprétation. Les images ne sont pas sorties du centre, et donc nous interprétons en temps réel ces images-là. Donc, Brecisionview, le logiciel d'aide à la décision. On parle aujourd'hui donc de négativation, c'est-à-dire d'identifier et masquer les zones bénignes, mais également d'évaluation de risque, parce qu'on présente les zones à fort risque de malignité, mais également les zones suspectes ou les zones pertinentes. On propose également la génération des images clés, c'est-à-dire en tomosynthèse, on propose un résumé qui va aider le radiologue à identifier la zone. On va également négativer ces images. La densité mammaire qui est basée sur l'IA, qui permet d'avoir par centre une densité qui est homogène par tous les radiologues. Donc les partenariats scientifiques, c'est là où on a vraiment récolté les images. Donc nous avons récolté toutes les patientes de ces centres-là, donc que ce soit l'APHP, l'Institut Gustave Roussy, mais également le centre de Dr Berouy Iris, où on est venu récolter les images avec minimum 2 ans d'antériorité et confirmation de biopsie. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 million d'images. Lors de la mise en place en fait, de l'intelligence artificielle, on a été confronté à la qualité des images. Donc, aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui en cours d'évaluation, donc en essai clinique à l'APHP et à IMBN, donc la Polyclinique Bordeaux-Nord, c'est l'évaluation de la qualité et la gestion des clichés techniquement insuffisants. Donc aujourd'hui, chaque manipulateur, chaque technicien aura une analyse individuelle qui aura sur chaque patient. On va venir évaluer le positionnement, la compression, la dose, le volume glandulaire et le volume du sang. On donne ici également une indication de la qualité d'image.
Donc lorsque le petit smile est en rouge, cela indique en fait au manipulateur de refaire le cliché et indique aussi ce qui permet ce logiciel, c'est une amélioration continue pour les techniciens. Aujourd'hui en France, on compte environ 5% de clichés qui ont été entre guillemets ratés où le cancer a été rapide. Cette version-là est la version pour le radiologue. Donc, en un coup d'œil, il le reçoit à la fin de son protocole où vous avez l'idée sur le positionnement, donc sur la qualité des clichés, le dos, la dose, le volume, et on interprète cela également avec l'antériorité, ce qui permet de savoir si, notamment pour la volume glandulaire, s'il y a une baisse ou une hausse, et aussi la patient, le technicien n'a pas assez tiré le sein. Le deuxième logiciel qui est en cours également d'essai clinique avec l'Institut Gustave Lussi et l'APHP est la corrélation multimodalité. Donc, Breast Inside Liver. Cette corrélation multimodalité, donc, on va à partir de la mammographie tomosynthèse détecter et positionner la zone sur l'IRM. Donc, et on fait également la démarche inverse, c'est-à-dire que le radiologue va positionner une zone sur l'IRM et on fournit la position en mammographie tomosynthèse. Cette position va permettre aujourd'hui en fait aux radiologues d'effectuer une échographie de second look beaucoup plus facilement. On ne propose pas de position sur l'échographie aujourd'hui parce que les échographies sont majoritairement en 2D, ce qui ne permet pas d'indiquer la position. Cependant, le radiologue a cette facilité gymnastique de passer plus facilement de la mammo tomo à l'échographie que de l'IRM à l'échographie. Donc les deux logiciels qui sont aujourd'hui en cours d'essai clinique, qui sont en évaluation, est le logiciel MTE et Breast Inside Liver. Sur la qualité des images et la gestion des clichés techniquement insuffisants, puis sur la corrélation multimodalité, donc mammographie tomosynthèse 2D, 3D avec IRM. Aujourd'hui, suite aux essais également cliniques que nous avons effectués, donc j'ai mis en place un essai clinique pour évaluer notre logiciel. Donc cet essai clinique a été effectué en France à l'aide de 14 radiologues, où je leur ai fourni 240 clichés. Donc on a évalué la spécificité, les performances, c'est-à-dire la spécificité et la sensibilité de chaque radiologue. Puis, nous avons laissé 3 mois passer et nous avons refourni à l'aveugle 240 examens aux 14 radiologues et on a évalué en fait la performance, spécificité et sensibilité plus IA. Aujourd'hui, il a été démontré que la performance du radiologue a augmenté. Donc la performance moyenne d'un radiologue en spécificité et sensibilité aujourd'hui en France est à peu près de 84%. Et à l'aide de l'IA, on est passé à 96%. On va pouvoir passer au cas clinique. Cependant, à la fin des 240 examens que nous avons testés, on avait une diminution de 37% du temps de cure. On ne calcule pas, même si on nous l'a demandé, le nombre d'examens complémentaires que le radiologue peut faire en fin de journée, mais aujourd'hui, il a été prouvé qu'on avait une augmentation du temps d'interprétation par radiologue. Lors de cet essai clinique, on a demandé à ce que tous les radiologues, donc on a pris 10 radiologues, qu'ils aient 5 ans minimum d'expérience en sénologie et qu'ils soient en cours en fait en activité en sénologie. Donc les images fournies par le logiciel BreastLiveView sont des images au format d'ICOM. Donc on va essayer de se mettre en condition chez le radiologue. Nous avons un cas d'une patiente de 40 ans qui est arrivée pour douleur chez le radiologue. Donc je vais vous présenter ici les images de face. Pour la qualité des images. C'est vrai qu'on ne sait pas sur le 5 et le 6.
sein droit est complètement bénin parce qu'il a été complètement négativé, alors que le sein gauche, nous avons ici une zone qui est maligne. Nous avons également ces résultats dans l'incidence oblique. Ici, la présentation du résumé de la tomosynthèse. Donc, vous avez la partie ici supérieure avec un petit repère, la partie médiale et inférieure. Et nous allons présenter également les zones ici, cette zone qui est maligne. Un cas d'une patiente qui est venue pour prothèse, un cas qui est très délicat, où la patiente, la radiologue au début n'avait pas forcément identifié la zone, il y avait une zone qui était en bordure de champ, qui a été identifiée en face et en oblique, qu'elle a pu identifier à l'échographie. Ici nous avons un sein qui est très dense, donc pour une femme de 50 ans. Nous affichons pour celui-ci la zone se situe ici et nous la mettons en fait en évidence en face, de face et également en oblique. C'est un carcinome. Les microcalcifications. Donc ici nous avons un cas de microcalcification assez complexe, hop, où le sein est très très dense pour une patiente de 46 ans et la zone a été identifiée. Et la zone a été identifiée uniquement sur la partie oblique. Donc là je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir le foyer de microcalcification. Donc très compliqué. Et là, le logiciel a apporté une aide majeure au radiologue. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Voilà, donc, merci pour l'audience. Donc, l'intelligence artificielle, en fin de compte, ça nous aide en tant que radiologue. Surtout, moi, je pense que même pour les pays du Maghreb, si vous n'avez pas des formateurs, et bien l'intelligence artificielle peut former les radiologues. C'est-à-dire vous avez une double lecture sans avoir de radiologue formateur. Et ça, ça peut nous former, nous, les radiologues. C'est-à-dire pour les jeunes qui débutent, ils regardent la mammo, ils disent peut-être qu'il n'y a rien, ils regardent l'intelligence, avec l'intelligence artificielle, ils lui montrent quelque chose, et bien il va apprendre. C'est le radiologue qui va apprendre l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, si vous l'installez dans une clinique privée, dans un hôpital, ça va aider à former même les radiologues. Ça, c'est l'idée aussi. D'accord ? Non seulement ça nous aide de voir, mais ça le forme les jeunes aussi. Mais les vieux aussi, comme. D'accord ? Donc, on a parlé tout à l'heure, j'ai vu plein de présentations sur les cliniques privées qui sont venues, ils ont présenté leur clinique. Mais c'est très, très bien pour les cliniques privées. Je suis vraiment. Par contre, il manque une chose dans ces cliniques, dans ces hôpitaux privés. Il y a une chose qui manque, ils ne parlent pas d'innovation. Ils n'ont pas un pôle de recherche. Moi, une clinique qui veut évoluer, qui veut être vraiment dans l'évolution de la médecine, il faut que, si vous êtes un hôpital privé, faites un pôle de recherche. Et je vous assure que votre hôpital, il va marcher très très bien. Mettez de l'argent de côté pour le pôle de recherche. Et ça, je n'ai pas vu dans mes présentations. Et parmi les pôles de recherche, il y a l'intelligence artificielle. Et j'ai fait exprès, il y a deux filles qui ont présenté aujourd'hui, les deux, c'est des Marocaines, une qui est en France, une qui est au Maroc. Vous voyez, il y a un potentiel au Maroc. Moi, je suis algérien, je parle du Maroc. Donc, potentiel au Maroc, il y a un potentiel en Algérie, partout. Donc, c'est très important de donner la chance à ces jeunes, comme nous, là et tout, de les aider à faire des start-up et tout, pour aller, pour que l'intelligence artificielle soit maghrébine, et pas intelligence artificielle franco-américaine, ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Donc, je dis aux cliniques privées, aux hôpitaux privés, d'investir sur ces jeunes-là, faire un pôle de recherche. Investir de l'argent dans les
par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport à l'intelligence artificielle, la question qui a été posée en 96 ou en 2006, par rapport à ce que la radiologie intervient sur la radiologie, l'intelligence artificielle va remplacer le radiologue. Je pense qu'on ne peut pas poser des questions de cette nature. Parce qu'on est en train de poser, quand on vient un petit peu la définition de l'intelligence artificielle, c'est de faire aussi bien que l'intelligence humaine. Encore faut-il avoir une intelligence. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, l'opposé, moi, je trouve que c'est un aide, hein, c'est une assistance au radiologue. Il ne s'agit pas de l'opposé, quoi que ce soit. Et on le fait dans plusieurs, ce qu'on appelle le cadre, on le fait pour le sein, on le fait aussi pour certains PACS qui font des urgences. Sur 30 scans, quand il est normal, il n'y a pas d'alerte, mais dès qu'il y a une hémorragie, etc., il fait l'alerte. Donc finalement, il a fait une étude préalable, une sélection, et donc ça devient un assistant. Donc la réponse, c'est que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais le radiologue. Le radiologue qui n'utilise pas l'intelligence artificielle sera remplacé par le radiologue qui l'utilise. Donc c'est un jeu entre radiologues. Deuxièmement, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Pour la recherche et développement, c'est fondamental, bien évidemment. Et moi, je suis heureux, et je prendrai tout à l'heure le contact de la charmante dame qui est de l'école Marina Dria. Oui, parce que madame Marina Dria, ici. Bien sûr, ça nous parle. Et j'aurais aimé, puisque vous parlez un petit peu d'intelligence artificielle, ce qui est intéressant actuellement, ce n'est pas de voir un AVC, ce n'est pas le souci, c'est de voir ce qu'on appelle les radiomix. Exact. Le radiomix, c'est quoi? C'est finalement l'image qu'on croit être du noir et blanc, etc. Ça a été fait entre 1 et 250. Donc on est en train de pixeler des images, mais ces images-là, quand on les fait intégrer avec la clinique, avec les données histologiques, avec la génétique, on va avoir des mots. Et donc finalement, dans peu de temps, les images qu'on croit être une masse gliale, en fait, on va donner non seulement le diagnostic peut-être histologique, mais on aura surtout ce qui est intéressant pour les thérapeutes, le pronostic. Et ça, c'est fondamental. Et là, malheureusement, et j'applaudis ce qui a été fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on apporte toujours des données qui nous ressemblent, etc. Il faut qu'il y ait des données nationales, et quand on a des gens qui travaillent sur le CNN, comme ça a été fait tout à l'heure, c'est un pur bonheur. Je parle au nom de mes collègues qui ont des bases de données énormes. Exactement. Et qu'on n'arrive pas à faire. Exactement. Moi, je réponds à la dame à la question, comment on intègre l'intelligence artificielle dans un service, non? Oui, c'est ça. Console annexe. Très bien. Très, ça très s'affiche. Bonne, parce que très, très bonne question. Oui. Très, très bonne oui. question. Et d'ailleurs, Anna, alors, la, madame, elle a posé là, vraiment la question très importante point de vue pratique. Madiha Bofoun, quand elle est venue chez nous pour installer Erami, c'est vrai, quand on les a vus dans les stands, au stand de JFR et tout, c'est tout est parfait. Hein? Hein? C'est trop bien. Par contre, quand on installe chez nous, c'est une catastrophe. Au début, c'est une catastrophe. Donc, ça prend beaucoup d'énergie d'installer l'intelligence artificielle dans un service. Par contre, moi, ce que j'ai conseillé à Madiha avant qu'ils viennent chez nous, enfin après, j'aurais dit, si vous installez ailleurs, assurez-vous bien qu'il y ait un bon contact entre vous et Siemens, vous et GE. Vous, parce que Siemens, GE, ils ont leur intelligence artificielle. Ils ne veulent pas que ce soit d'autres qui installent. Donc la première des choses qu'il faut, il faut que Erami se débrouille avec les autres trucs pour que vous, quand vous installez votre intelligence artificielle, tout est prêt. Et ça, c'est important. Donc, voilà, intégrer l'intelligence artificielle, il faut que ça soit un travail entre Erami et les autres sociétés, quelques services. Ça, c'est ce qu'il faut faire. La deuxième des choses, c'est comment intégrer les images. Hein, on regarde les images. Il faut que ça, le workflow, il faut qu'il soit facile. Et il faut que ça soit une discussion avec Erami. Allez, le workflow. Plus le workflow est facile, plus on utilise l'intelligence artificielle. Plus le workflow est difficile, on ne va pas l'utiliser. Je suis sûr que vous, les radiologues, vous avez GE ou je ne sais pas quoi, Siemens, vous avez l'intelligence artificielle pour voir le nodule. Mais si c'est compliqué pour vous dire où est le nodule, vous ne l'utilisez pas. Vous faites un MIP, il n'y a pas de nodule, c'est bon. Il n'y a pas de nodule. Parce que c'est tellement difficile d'utiliser le logiciel recherche le nodule, que donc l'intelligence artificielle, il faut que ça soit bien intégré. Voilà ma propre expérience. Et le workflow. Ça prend du temps au début, mais après, c'est très facile.
Voilà. Oui, on utilise. Maintenant, c'est bon, là, après ça, c'est plus facile. Ça augmente le temps de lecture avec la mammographie, ça ne m'augmente pas beaucoup de temps de lecture. Pratiquement, j'appuie sur un bouton, j'ai des carrés, j'ai des ronds, j'augmente, je zoome, etc. Je vois des micro-gratificateurs que je ne voyais pas. Exactement. Avant. C'est vraiment génial. Des petites spéculations que je ne voyais pas avant, ça m'augmente le temps d'échographie. Parce que quand je pars vers l'échographie après, bon, je m'acharne à trouver la quelque lésion. Chose que je. Que je vous appelle un petit peu. Exactement. Par contre, ce que je voulais vous demander, Madiha, vous avez parlé de votre solution avec la tomosynthèse, par exemple, la solution de, comment dirais-je, de la graisse, c'est génial. Est-ce que ça existe même pour la mammographie simple? Oui, oui, ils ont des solutions. Et tomosynthèse. Voilà, Sonia, une fois. Oui, je voulais demander à la dame qui nous a présenté cette image absolument merveilleuse. En fait, moi, je lis un peu, hein, malheureusement, je n'ai pas du tout cette vision extraordinaire d'intelligence artificielle. Par contre, le CAD, beaucoup d'entre nous le connaissent. Le CAD 2D, à la limite, on peut le payer. Le CAD 3D, beaucoup plus cher. J'ai des confrères. Et maintenant, on s'achemine vers une idée que l'IA serait. Alors, aujourd'hui, il est vrai que le CAD a eu une mauvaise expérience par les radiologues, mais qui a été fait également par ICAD, donc je pense que c'est ce que vous avez avec les petits nodules que vous avez dans votre GE, qui sont en partenariat du coup avec ICAD. Aujourd'hui, oui, l'intelligence artificielle est supérieure au niveau des performances que le CAD. Puis, on va faire, alors, et surtout ERAMI, on a fait des modèles spécifiques. Donc, des modèles spécifiques pour les microcalcifications, puis des modèles spécifiques pour les masses, pour les nodules, pour pouvoir les détecter. Donc on a commencé à travailler sur le bénin avant de commencer à travailler sur le malin. Donc c'est ce qui nous différencie, notre approche nous différencie de nos concurrents, et c'est ce qui différencie aussi nos performances. Nous, le but a été vraiment d'orienter le radiologue vers des zones. Donc on vient masquer tout ce qui est vraiment bénin et laisser tout ce qui est suspect et pertinent en exemple. On ne fait pas aujourd'hui de différence entre, par exemple, une masse ou une microcalcification. Nous, on va vraiment tout régler. Par contre, pour nos concurrents, il y a une différence. De par notre approche, en fait, on a une approche qui est reflétée, qui est unique, qui nous permet en fait de pouvoir différencier ces zones et de les mettre en évidence. Donc, juste la différence entre l'intelligence artificielle et le CAD, c'est que l'intelligence artificielle, ça évolue, alors que le CAD, non. C'est figé. Par contre, l'intelligence artificielle, il y a un re-update à chaque fois. Chaque fois, il re-update le logiciel, et c'est de mieux en mieux. Par contre, le CAD, ça reste CAD. Voilà, ça, c'est important de le dire. Oui, c'est pas un outil d'intelligence artificielle. Voilà. Non, vous avez dit la différence. Oui, la différence, elle est là, c'est que quelqu'un évolue, mais l'autre, pas. Alors, c'est vrai que les prix, en fait, ne sont pas fixes et vont dépendre en fait, d'un dégressif en fonction du nombre de licences. Alors, nous avons par licence ou par fax. Mais pour comptabiliser toutes les IA confondues, que ce soit nos concurrents, l'IA coûte environ, et c'est vraiment une fourchette, on peut dire 40 000 euros. Voilà, 40 000 euros, mais par contre, moi j'ai parlé avec Madiha, je lui ai dit, s'il te plaît, si tu t'installes au Maghreb, les prix, tu diminues, parce que c'est pas... Voilà. Et si vous êtes les premiers, bien sûr, moi je suis en train de vendre des tapis. Merci pour tout le monde, merci. Parfait. Merci Léna, on remercie Néla aussi, Alexis.
vraiment merci Neila, c'est vraiment tu nous as éclairé. Moi je laisse Mohamed, désolé, on n'a pas le temps. Au contraire, merci beaucoup Soufiane, grand Soufiane comme d'habitude, une session très intéressante, merci. Et je t'invite Soufiane, tu es le coprésident du congrès, je te rappelle. Alors, en fait, l'honneur qui nous a été accordé par l'équipe GRFM et la société marocaine d'imagerie abdominale et digestive apparaît en fait un prestige et une fierté, mais finalement en fait c'est une grande responsabilité un peu stressante, je l'avoue. En fait, entre les sentiments de cette responsabilité un peu lourde sur les épaules, et puis le sentiment en fait d'être engagé avec les radiologues jeunes et moins jeunes, moi et mon collègue et mon frère Soufiane Derwis, qui soutient énormément la formation continue des jeunes radiologues au Maroc, on a décidé de faire une version en fait un peu différente pour ce congrès, pour sa première édition, en basant sur le concept de cas clinique. C'est apparemment plus intéressant, plus attractif et un peu moins lourd que les sessions en fait de cours traditionnels. Et puisque ça a marché, en fait, on vous promet de faire plusieurs événements de ce type. Après une longue absence en fait pendant la période pandémique, c'est l'occasion de se réunir un peu et profiter de la situation. On a choisi la ville de Tanger, pas comme par hasard. C'est une ville qui est parmi les plus belles de la patrie du Maroc. Et puis, en fait, cette ville, son historique a connu le passage de la coexistence de la paix entre de nombreuses tribus. Et c'est un message pour nous que, voilà, les nouvelles sociétés savantes sont là. Il existe et bientôt il y aura d'autres sociétés savantes. C'est important pour la richesse des échanges avec, entre les radiologues du Maroc et tout à l'honneur de notre pays. Voilà, la radiologie aujourd'hui en fait est de plus en plus sollicitée pour répondre aux besoins de cliniciens, ce qui impose aussi la diversité des échanges avec d'autres partenaires un peu partout du monde, parmi lesquels nos collègues des États-Unis, représentés aujourd'hui avec le grand professeur Kamel Abdelal, avec qui on a entamé beaucoup de projets de grand intérêt. Je te traduis après, Kamel. On l'applaudit fort. Il fait beaucoup de projets très ambitieux et on va vous annoncer ça bientôt. Je serai plus court et je vais introduire dans mon speech un hommage à deux grandes sommités de la radiologie marocaine, le professeur Ali Ajana et Madame Thuria Amil, que j'invite à la scène, s'il vous plaît. Professeur Amil était ma chef de service pendant des années. J'ai appris beaucoup avec elle sur le plan humain et professionnel. Voilà. Professeur Ajana aussi. C'est un grand maître avec qui on a appris beaucoup et ça me fait énormément plaisir d'être là pour les inviter en scène et les honorer devant tous les radiologues du Maroc. J'invite professeur Al-Faqir, professeur Mehi, professeur Nasser et professeur Al-Amrani. Soufiane, un petit mot Soufiane. Merci. En général, moi je m'intègre hein, dans le jeu, parce que c'est la même chose partout. Oui. Les anciens oui. Les nouveaux, oui. Les nouveaux deviennent anciens, non. Les nouveaux, etc. C'est la vie, le cycle. Parce que ce qui est très important, le message, moi j'ai parlé avec le professeur Ahad Kamil, c'est quelqu'un qui est vraiment motivé, il veut aller de l'avant, il veut former et tout. Qu'est-ce qui nous pousse, nous, à faire ça? Moi, j'ai parlé avec Camille, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, écoute, moi, ce qui me pousse à faire ça, c'est pas l'argent.
pas besoin d'argent. Donc, ça peut, je ne vais pas devenir une star, je suis déjà une star, donc pas de souci. Donc, ce qui nous pousse, nous, qu'est-ce qui nous motive en fait? En fait, ce qui nous motive, c'est qu'on veut inculquer, on veut créer cette lumière chez les radiologues. Moi, je veux créer la lumière en scénologie, dans l'interventionnel et tout. Très important, on a parlé de l'intelligence artificielle, s'il vous plaît. L'intelligence artificielle va nous aider à faire des choses, mais les radiologues, nous, il y a quelque chose qui va nous différencier, c'est l'interventionnel. Donc, faites des biopsies. Faites des biopsies, ne laissez pas les gynécologues, les charlatans faire des biopsies. D'accord. Ça, c'est important parce que faire des biopsies et regarder que l'échographie, j'appelle ça du charlatanisme, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, nous, les radiologues, je sais que vous êtes débordés par les scanners, je sais que vous êtes débordés par l'argent, je sais que vous êtes débordés par tout ça. Par contre, pensez loin, l'argent aujourd'hui, mais l'argent demain aussi. Donc, si vous voulez garder votre place, faites des biopsies. Si vous voulez que gagner de l'argent aujourd'hui et être pauvre demain, faites pas les biopsies. Voilà. Voilà le conseil que je peux vous donner. I want to make a translation to Abdelhal. I just said it in French. You are great. C'est vrai qu'il est très bien. I'm sorry, my French is not so good. So I was asking, my colleague here, if you were saying good things about me or not, because you said a lot of things. Thank you. You're welcome. Avant de dire un petit mot pour mes maîtres et amis, ce qui a été dit, je suis plus pour la spécialisation que pour les biopsies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas radiologue être radiologue généraliste. Et là, on peut faire que de la biopsie, mais très bien. On peut faire que de la thyroïde, très bien, que du crâne, etc. Donc, allons vers la spécialisation plutôt que. Alors, je vais dire un petit mot, ça ne me rajeunit pas, je suis prof en 99 et je suis en radiologie. Suazen, je le connaissais bien avant, bien évidemment, et je l'ai connu encore plus les années 90, l'équipe d'Almader Imanien Al-Hama, et puis tous les collègues que vous connaissez. Ajana, je dis Ajana parce que depuis on est amis, on voyage beaucoup, on s'apprécie mutuellement. Ajana, c'est le père, c'est l'enseignant, c'est le type qui vous pose des questions pour votre fille, même bien alors que vous étiez interne, donc on n'avait pas. Il ne faisait pas le prof, il ne faisait pas la grosse tête. Jana était abordable tout le temps, il était à l'écoute, il partageait et nous accompagnait. Et j'ai eu aussi la chance de côtoyer nos amis de l'hôpital militaire, mais essentiellement Madame Amil et Madame Sahad Chawed qui n'est pas là. Et on a énormément échangé avec tout l'estime et le respect. C'est des gens qui ont formé des gens et heureusement ils sont là, en tout cas pour en témoigner. Mais nous ont surtout appris l'humilité. Ceux qui pensent être les meilleurs, ils doivent changer de métier. Eux, ils nous ont toujours appris qu'il y a des spécialités, ils ont donné plus les outils pour travailler que la formation. Voilà. Et ils nous ont donné envie d'aimer ce métier. Et voilà, et on est heureux de les avoir. Ils sont encore jeunes, hein, je ne comprends pas pourquoi ils sont à la retraite. En tout cas, je vous fais bosser. Voilà, à mon tour de dire un petit mot, donc je ne vais pas dire ce qui a été dit concernant M. Ajana. Depuis quand j'étais résident, j'ai atterri dans le premier service, le service de Mme Ajana, M. Ajana, comme il dit M. Prater. Il était toujours abordable, toujours cool. Donc, ce qui fait, je pense jusqu'à présent, toujours. Voilà, donc ça c'est concernant M. Ajana. Par contre, Mme. Donc à chaque fois des autres, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est
vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'administration. Donc, il était toujours à l'écoute et encourageait tout le monde. Et il n'a jamais opposé à quelqu'un pour avancer. Donc, il encourageait tout le monde. Donc, il est une dame de grand cœur. On l'applaudit. Je lui souhaite. Non, mais c'est vrai, sincèrement, aucun mot ne peut décrire notre gratitude à Madame Amil. Elle a fait beaucoup de choses pour nous et pour la radiologie à l'hôpital militaire. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Et j'invite le professeur Al-Mahi pour lui passer ça. J'aurais bien aimé être moi, mais bon. J'avais le professeur Nassim. J'invite le professeur Mahab, ça pour lui remettre les prix. Madame Daferi, ou votre speech. Une autre personne qui nous est aussi très chère, qu'on respecte beaucoup, que vous connaissez tous, professeur Daferi Rachida, une grande dame qui a beaucoup donné à la radiologie. Qui a beaucoup partagé avec nous, et je laisse le professeur la décrire, elle la connaît mieux que moi, et puis il s'occupera de lui transmettre son trophée, puisque malheureusement il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Alors, madame Taffé, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une femme difficile à aborder, c'est un cœur en puissance.
est en train de faire un livre. Trois villes. Alors, voilà, ce jour de la scoop parce qu'elle me l'envoie, et comme elle me l'envoie, donc je relis, je mets en page, je fais des petites modifications, elle est en train de faire un livre sur le compte-rendu en radiologie, mais avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de philosophie, on n'est pas dans les grands thèmes, etc. Non. Et surtout, c'est une dame de pratique, elle a des documents. Donc quand elle dit la conclusion ne va pas, elle a des documents. Et un truc qui est bien fait. Et je serais heureux, Inch'Allah, une fois cette épisode, qu'elle vienne elle-même le présenter. Et on lui refera encore une fois cette dédicace que je me ferai un plaisir de présenter en votre nom. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Prendre le temps qu'il faut. Alors, professeur El Fakhr va vous parler. Voilà. C'est la réalité. Le public qui pose, il sort dans la formation, etc. Mais ils n'hypothèquent jamais la maison de leurs parents pour acheter un scanner. Mais d'accord, ils ne prennent pas en charge entre 10 et 20 personnes qu'il faut payer les CNSS, etc. Il faut qu'ils rediscutent un problème d'IMPE, un problème de... Donc, on s'est rendu compte que, à part les choses qu'on partage avec les autres secteurs, qui sont la science, on a des choses qui sont proches et propres au secteur libéral. D'accord ? Donc, on s'est dit, il va falloir, comme aujourd'hui, avoir des journées, des assises pour parler des choses qui nous mettent en... Ça veut dire un peu le côté médical, parce qu'on est quand même médecin et c'est notre raison d'exister. Mais aussi, on va parler, et tout à l'heure, Yusuf parlait du service après-vente. Moi, je sais que tous les radios libéraux veulent parler du service après-vente parce que ça grève énormément. Tout le monde me dit oui, etc. Et je comprends. Et donc, finalement, juste pour passer le message que l'association est une association qui n'est pas dans, on est dans l'accompagnement des collègues, mais on est aussi surtout dans l'écoute. On est en train de se former, mais contrairement aux associations qui créent, nous, c'est la fonction qui a créé l'organe. Donc c'est ce besoin-là qui a fait que nous avons créé l'association. L'association fédère pas mal de radiologues. L'idéal, c'est d'avoir notre fondation, fédération qui soit forte, et on en a besoin. On est une société marocaine de radiologie forte, et on en a besoin. Et une association qui gère ou qui fait discuter un petit peu les secteurs libéraux. Mais avec tout ça, on a besoin de sociétés savantes fortes. Là, on parle d'interventionnel, on parle de gastro, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de. Il ne faut surtout pas voir où ça. On part aux États-Unis, en France ou aux États-Unis. On est heureux de voir 70 sociétés et tout ça normal. Le Maroc, non, il n'y a que le Hezbollah. On ne parle pas d'une partie politique. On ne parle pas de plusieurs sociétés. Donc l'idée, encore une fois, on n'est pas dans le conflit. Des commissions pour gérer les problèmes. Les problèmes, là, c'est quoi? C'est l'IMPE, on a fait une avance de résultats. C'est la cible des cliniques, c'est juste pas normal pour un jeune de s'installer, c'est impossible. Et ceux qui sont déjà installés, chez Tchigi Blasanceux, la hauteur sous plafond de 70, c'est de 90, elle est la même. Donc il y a lieu de discuter. Mais avec ça, il va falloir aussi parler des tarifs nationaux de référence. Il va y avoir besoin aussi de parler dans la couverture médicale généralisée de la base de la radiologie. Et de la téléradiologie, bien évidemment. Pour ceux qui pensent que c'est une chasse gardée, ils se trompent, parce que la téléradiologie n'est pas donnée par l'association marocaine, elle est là juste pour défendre les intérêts des gens, pour la simple raison qu'actuellement, c'est les gens qui font de la télémédecine, et on en a très peu, mais dans le conseil de l'ordre, je peux donner aussi le nom, c'est notre ami néphrologue Najib Amra, qui parle en notre nom pour la téléradiologie, parce que les personnes vous parlent. Et la néphrologie n'a rien à voir. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de s'approprier, non, c'est d'avoir juste des gens pour qu'on parle. On a besoin de téléradiologie, et c'est pas pour s'approprier des choses. Je pense qu'il faut juste être intelligent, on n'a même pas le temps de faire le programme, et donc à certains moments, il faut être partagé. Sauf qu'on parlait tout à l'heure d'expertise, et l'expertise, on peut pas l'avoir. On peut pas être excellent du crâne jusqu'au pied, c'est pas possible. Et à certains moments, il va falloir être intelligent, et il y a des domaines où c'est Mohamed et moi, où l'équipe, etc. Il va falloir, c'est ce qu'on appelle une deuxième avis. On est dans
expert. On n'est même pas dans le truc. Donc il y a à boire et manger pour tout le monde. Le problème n'est pas là. Qui va prendre, etc. C'est pas ça. C'est juste de fédérer. On est sur le plan financier et ça n'est pas là. Parce qu'on est en train de travailler sur une commission de ce qu'on appelle médico-économie, macro-économie. Entendons-nous, j'ai appelé dernièrement avant de venir Tijani Wafa, la banque privée et le leasing. Et Nawal a un rendez-vous la prochaine fois à la DCI pour discuter de leasing. Mais que l'on ait une offre pour les radiologues libéraux. Maintenant, on a une offre pour les médecins. Je leur ai dit que non, les radiologues ne sont pas des médecins. Tu ne crois pas un médecin dentiste qui achète dans toute sa vie un fauteuil à 700 000 euros. Ce n'est pas possible. Un minimum de cabinet de radiologie, c'est 1 million de dirhams. Quand il veut aller plus loin, c'est 3 milliards, 30 millions de dirhams. Donc, il faut. Et donc, on est en train de parler. Et il va falloir leur montrer cette force. Nous, on a une force, l'INSINA. Je vais vous donner un exemple de la radio sympathique. C'est que quand je vois quelqu'un qui a fait, vous m'avez dit que vous avez 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 dit. Donc il faut, non, c'est important. Et on constitue parmi tous les rangs, on a des investissements qui dépassent les cliniques. D'accord ? On est des véritables chefs d'entreprise. Et quand on parle d'entreprise, on parle de partenariat, on parle de sponsoring, on en parlera la prochaine fois. Mais moi, si elle serait une année de 1,5 million de dirhams, ben, parce que j'ai le scan de Ziram, et donc c'est tout à fait normal qu'ils sponsorisent ma journée des plateaux chats, l'année, parce qu'ils prennent l'argent. Donc on parle de quoi là ? Donc, ça, c'est un autre débat. Donc l'idée, encore une fois, on n'est pas dans le conflit, on est là pour fédérer. Et toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Il n'y a pas de... Non, on a des gens qui répandent un petit peu le nord, le sud. On a été un peu touché tout à l'heure par des discussions avec des amis qui sont à Tanger, qui ont des soucis très particuliers, très pointus. Notre devoir, c'est de les couper. Notre devoir aussi, c'est de faire un dossier et aller avec eux jusqu'au bout. On n'est pas là, on ne prend pas le truc de l'avocat mondial, c'est pas le sujet. Mais à travers ça, on peut travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des mésaventures dans les cliniques. Il va d'abord faire une assise, il y a de la radiologie dans les cliniques. Tu fais quoi avec le contrat, etc. Et pas possible d'avoir des cliniques qui travaillent avec des non-radiologues. Avec un scan en Iran, pour qu'il y ait un distance, ça passe pas comme ça, la loi est claire. Quand on fait un scan en Iran, il faut une domiciliation, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a tellement de choses à faire, mais l'idéal, c'est de le faire ensemble. Et je suis heureux de ne pas être d'accord avec vous et de vous ne soyez pas d'accord avec moi. Je ne vous demande pas. Moi, je m'enrichis par la diversité. Je vois les gagnants, les gagnants, les gagnants, je les gagne. Je ne m'enrichis pas, je suis vivant que j'ai été rentré au début. Et il faut plutôt voir ce qui va amener à la cérémonie. Mais heureusement qu'on n'a pas les mêmes, parce que sinon, on n'aura pas les mêmes. On est différents, mais cette différence, c'est notre richesse. Et donc, il ne faut pas qu'on nous oppose. Mon avis, etc., etc. Mais chacun, c'est pas que là, il y a le truc. Il y a quelqu'un qui va donner. Qui va donner dans le TNR, qui va donner dans les négociations, et on a besoin de toutes et tous. On n'est pas sélectif du tout. Et encore une fois, la fédération est de nôtre, hein, donc on n'est pas dans le conflit de personnes, etc. Alors, la radiologie pour les radiologues, il faut juste accompagner son temps. D'accord ? Il y a tellement de choses qui n'ont pas été faites pendant très, très, très longtemps. Et là, on est en train de prendre un train en marche avec des avantages et des inconvénients. La radiologie pour les radiologues, on va le faire, on se projette la loi, dans la main, le DNC, etc. Tous les pneumologues ont leur radiologie, tous les rhumatologues ont leur truc, tous les, etc. C'est une réalité. Et si ça se trouve, il y a des médecins parmi nous, dont le mari est rhumato ou pneumo, et il a cette radio. Donc, il ne faut plus qu'on soit schizophrène. La réalité est simple. Maintenant, il n'est pas ça, il n'est pas ça. On peut définir ensemble que l'image est en couple, qu'on décide une fois pour toutes. L'image est en couple, c'est du radiologue pur et dur, on ne touche pas, ni au scan, ni au conbib, ni à l'IRM. Et ensuite, on peut revenir à la radio. La radio, on vient façon et façon. C'est pas normal qu'un traumato demande un rachis, passe profil, trois quarts, jour de choses, etc. Non, il a le droit de demander une fracture, bien évidemment. Il va faire une fracture, et on est heureux, nous-mêmes, en tant que patient mécanique qui est de la radio, il a le troisième étage de sa route. Donc il va falloir définir, et je pense qu'il va falloir communiquer. Parce que les choses ne sont pas. Il faut communiquer, faire des commissions, voir justement les concessions qu'on peut faire. Et ceux qui sont demandeurs m'ont appelé plusieurs fois, comme je suis incapable de dire, je n'ai pas d'étiquette à vous dire. Je lui dis, président de la République, je ne peux pas répondre. Maintenant, il n'y a pas ça. Il va falloir être intelligent et voir dans ce cadre-là, d'abord le remboursement n'est pas le même. Il y a des choses et je pense qu'il faut.
cadre, en tout cas, j'ai pris beaucoup de temps dans un congrès qui ne faisait pas partie. Je remercie vivement tout ce qu'il fait. Et encore une fois, on est là pour vous parler de ça et vous tendre la main. Et dans la même famille, il n'y a pas de gagnant, de perdant, il y a un blessé grave. Donc, je ne connais pas que dans les familles, ça n'existe pas. Quel est les familles, etc. Ouais, blessé, ouais, plus. Blessé encore plus. Et les deux sont blessés. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu pour revenir là. Merci beaucoup, professeur Fakhel. Le message était très clair. Je vous remercie infiniment. Et j'invite le président honoraire du Congrès, professeur Kamel Abdel, pour faire un mot d'hommage à professeur Ajana et professeur Amil à son tour. Merci beaucoup, Kamel. Merci. Thank you very much. Alors, sur ceci, la session d'aujourd'hui est terminée. On se retrouve demain avec la session de radio interventionnelle. Je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve peut-être plus tard sur la soirée gala au bord de la piscine. C'est vers 22h en fait. Ce sera vers 22h.